حط الكاميرا والشرط يلا. Planétaire que s'est ouvert le Forum économique mondial en Suisse. Il y a 2500 chefs d'État, premiers ministres et dirigeants d'entreprise qui discuteront jusqu'à la fin de la semaine de leurs interventions d'après-crise dans les domaines du libre-échange, de l'énergie et des changements climatiques. En Irak, la démocratie a subi un test important. Aujourd'hui, près de 15 millions d'Irakiens étaient appelés à... C'est cool. Un Airbus A320, des équipes de secours ont ouvert les portes pour extraire les passagers de l'appareil. Tous sont sains et saufs. Nous n'avons toujours aucune nouvelle des deux journalistes français qui avaient été pris en otage en Syrie. Franck Guérin, Éric Royer ainsi que Saïed, leur traducteur, ont été séparés depuis bientôt un mois. Nous n'avons aucune piste concernant leur position ainsi que leur état de santé. À Washington, désormais, une foule s'est formée pour l'assermentation. Tu le connais? Tu parles français?
Tu es ici depuis longtemps? Un mois. Tu es d'où? Damas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils nous ont enlevés sur la route. Ils m'ont demandé où est-ce que j'habite, si j'ai de l'argent. Ils m'ont amené ici. Ils m'ont frappé avant d'appeler mon père en vidéo. Il lui demande 30 000 dollars pour me libérer. Tant que je respire, ils ont l'embarché. Pas vrai? Ouais. Et toi? Moi, ça faisait un mois que j'étais en Syrie. Avec Franck, mon coéquipier. Journaliste qui m'accompagne. On est venu ici pour filmer la construction de la route d'Al-Bab. On est resté avec l'armée un bon bout de temps pour étudier toutes les routes. Et quand ça nous a paru suffisamment safe, on est parti de notre côté avec Sayed, notre traducteur. Et en route, on est tombé sur toute une bande. Ils nous ont tout pris, la caméra, les passeports, les lunettes, enfin tout. C'était il y a 3 mois. Enfin, je crois. Et il y a quelques semaines, ils nous ont tous séparés et je me suis retrouvé ici. Tu t'appelles comment? Reza. Moi, c'est Eric. Comment tu dis? Sfiha. C'est une sorte de pizza avec de la viande hachée et de la sauce tomate. C'est un plat dont on est très fier à Damas. Mais ce que je préfère, c'est le mhallabi. Le quoi? Le mhallabi. C'est une crème de lait avec de la fleur d'oranger et un peu de pistache comme ça dessus. Yeah. Moi, ce qui manque le plus, c'est un steak frites. Avec une tarte au citron en dessert. Mais je préfère le mahallabi. C'est bon? Délicieux. Arbra. La. Ithnan. 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 Khod. Allô? Allô Eric, vous vous souvenez de moi? Je peux vous parler qu'une minute aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Vous tenez le coup? Ça va. On a retrouvé la trace de Franck et de Sayed. Ils vont bien tous les deux. Vous allez être rapatriés dans très peu de temps. Tenez bon, on s'occupe de vous. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut m'emmener voir quelqu'un. Pour parler. Je crois que c'est mon père. Min baddo yahki ma'i.
mon père ne peut pas payer les 30 000. Proposer d'être un shahib, un martyr. Ils veulent que je rentre avec toi en France. Et si je refuse, ils veulent... Accepte. Accepte la proposition. Rentre avec moi en France. On pourra te protéger d'eux, nous. Tu peux pas rester là. Mais ma famille, Eric... T'inquiète pas. On va s'en occuper de ta famille. Rentre avec moi, je te dis. Reza. Reza, accepte la proposition. Tu sais ce qu'ils font à ceux qui ne coopèrent pas. Hein? Reza! Il est où, Reza? Come back to France tonight. Your friends are coming. Now, you have to eat before going. Eat now. Maradia. Thank you.